Coucou tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog, on est jeudi et on va faire les calendriers. Donc c'est qui commence? Ah t'es dégueu Elsa. Non pas toi. Par contre faut vous voir à la caméra parce que non, sinon on voit pas. Non c'est moi, c'est vous. Elle peut pas se faire voir. Pourquoi? Regardez les animaux, j'arrive avant. T'as bien compris le système, ouais. Alors, ça c'est à qui? Ça c'est à Princesse, on va le donner après. Ça c'est à qui? Ça à Gaïa. Est-ce que tu connais? Aïa, ouais, ça j'aime bien ça. Aïa. Ah ouais, il n'y avait pas un jus de roi, c'est pas la marque du pilote. Sûr, il y avait un jus d'orange. Aïe, t'es où? Mais il ne faut plus avoir un jus d'orange. Tous les vieux. Ils disent qu'avant, eux, avec leur goûter, ils avaient un jus. Non, non, mais avec ça, t'avais un jus d'orange. Ouais, derrière, il y a des goûters. Lui, avec toi, lui, je crois. Me lèche pas les doigts, j'ai rien. Kenma, elle est sur la table. Ah, Kenma, elle a déjà fini. Ah, tu veux des frites? Vas-y, arrête de râler. Elle a déjà ouvert. Ça va être sympa, je peux voir la caméra. Et il manque Kimi. Elle a joué. Et là, c'est rare quand même, du coup. Hein? Ouais, je vais voir. Et surtout quand il y a beaucoup de chocolat, j'aime ça. Ça, c'est. Les fifiso. Moi, j'ai fui. C'est compliqué. Celle-là. Et toi, celle-là, c'est celle-là. C'est Stella. Tu sais, c'est quelle le tien. Ça, c'est Zizi. C'est pas toi, ça. C'est Zizi. Daisy. Moi, je les vous avez tous pareil, hein? Ouais. C'est beau, j'ai réussi. Viens. Daisy, viens. Tiens, ma fille. Non, pas toi. Aïe, c'est pas toi, boss. Arrêtez, vous avez eu les robots, vous. Tiens, Zaz. Par contre, Mimi, elle est en train de me. Vous venez pas là. C'est pas à vous. C'était bon? Il y en a plus. Donc, mais c'est beau, et du coup, on va faire Alexis. Oh, ça, même, c'est bon. On voit pas le cadeau. Ah, c'est les animaux. Ouais, du coup. Maman, toi, c'est bon. T'as vu déjà quand t'as un truc. C'est qui ça? T'as pas 14 ans. Hop. C'est 14. Oh, c'est une bonne bande. C'est des narines. Des nails. Tu dis que c'est de quelle couleur? Vert. Mais tu dis que c'est de quelle couleur? Je demande. Alexis, il a eu un crunch. Un lion. Ah, tu l'as déjà vu, toi? Non, c'est pas. Ah, il y a du noir. Putain, mais c'est beau. Non, c'est vert. Non, c'est noir. J'en ai eu. Des autres couleurs. On n'a pas. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est à moi. J'ai pas eu la sucette, mais c'est pas vrai. Oh, on va la porte. C'est mon dos. Devine ce que c'est, moi. C'est pas Aya. Un fromage. Et je sais que c'est pas Aya. Si Aya l'a frappé Mimi, et Mimi, du coup, ça a accroché à Matt. C'est du gouda au piment d'Espelette. Ah, ça se voit, c'est le piment, j'allais dire, c'est le piment. Comment tu sais? Ah, parce que c'est écrit sur. Ils l'ont déjà écrit. Ils l'ont écrit hier. Mais ils n'ont pas crié celui d'hier. Mais il s'est trompé. Je sais pas. Soit il s'est trompé de sachet, soit il s'est trompé de. Mais moi, elle doit bien aimer. Non, ça sent bon. Non, ça t'as donné un petit bout de piment pour voir. Non, ça ne donne rien du tout. Ah, là, ils attendent encore alors qu'il n'y en a plus. Hein. Ça te ment. Bah, allez, à toutes. Bon, recoucou. Il est 22h43. Je vous ai vraiment pas pris beaucoup aujourd'hui, pourtant j'ai fait beaucoup de choses quand même, mais je vous ai pas pris beaucoup. Bon, au matin j'ai traîné. Chouchou travaillait pas, hein, je vous avais dit.
Donc j'ai traîné moi ce matin, tout ça. J'étais prendre ma douche, il devait être midi. J'ai traîné. Oh là là, j'ai des câlins de yayo. J'ai des câlins de yayo. Je pense qu'elle commence à être en chaleur, c'est pas possible. Ouais, j'étais prendre ma douche à midi. Donc voilà. Après, bon, j'ai commencé à refaire des photos pour le groupe Facebook que je vous ai dit là. Des vendre des choses à petit prix et tout, mais il faut que je débarrasse la maison parce que j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Et en fait, au final, j'ai fait des choses, mais j'avais rien rangé de spécial. Et après, ben, on vous a fait les calendriers de l'avant. Ensuite, on est parti, moi et Chouchou, à Lidl. J'ai été déposer le colis parce que j'ai préparé le. En fait, j'ai préparé le colis de Coco. Donc, ça va y partir demain. Et j'ai préparé le colis d'Emeline. Donc, des petits cadeaux pour Noël. Donc, comme j'ai dit, c'est pas grand chose, mais voilà. Donc, j'ai fait une. En fait, j'ai fait une partie que je voulais vous mettre dans un vlog quand elle aurait eu le colis. Mais au final, la vidéo, elle dure une demi-heure. Donc, je vous la mettrai en vidéo normale, mais quand elle aura eu son colis et qu'elle l'aura ouvert, bien sûr. Bon, oh, oui, mon amour. C'est Kimi. Et voilà. Donc, on a été à Lidl. On a déposé le colis à Emeline dans les box, dans les lockers. Et on est rentré dans Lidl parce qu'il me fallait des... Bah, je voulais voir s'il y avait du papier cadeau. Alors, je vous ai dit qu'à Lidl, cette année, il n'y avait qu'un seul modèle. Pas top, quoi, mais bon, il n'y avait qu'un modèle. Donc, je dis tant pis, même s'il n'y a que celui-là, mais je vais le racheter parce que moi, j'aime bien. En plus, il coûte que 99 centimes et il est trop bien. Et bah, là, il n'y en avait pas du tout. Pas un seul. Donc, j'ai juste acheté du papier cuisson pour faire mes tasses parce que je vous ai dit qu'il me fallait du papier cuisson. Donc, j'ai acheté deux rouleaux tout de suite, comme ça, je suis tranquille. Quand on est revenu du coup de Lidl, maman, qu'est-ce que j'ai fait, je sais plus. Tu sais que tu peux fermer. Hein. J'ai fermé, c'est les choix qui ouvrent. Je vais le refermer. Ah, j'ai fait mes dessins sur ma fenêtre. Donc là, aujourd'hui j'ai fait mon rouge. Voilà. J'ai mis deux couches, donc voilà. Ensuite, j'ai donné à manger aux filles. Christophe lui a préparé à manger. Moi, j'ai accroché tous les ballons. On a enlevé enfin les ballons d'anniversaire à Mel. Et j'ai tout accroché dans la chambre à Mel, en fait. Du coup, elle a décoré sa chambre avec ses ballons et tout. Donc, j'ai été lui accrocher ça. Christophe, il avait été prendre sa douche et après, il n'a pas mangé. Donc, c'était pas de carbo, la maison. Voilà. Et ensuite, ben là, du coup, je dis, j'en ai marre, en fait. J'ai le bordel dans ma salle à manger, j'ai pas avancé. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rangé toute ma salle à manger. Mais ça m'énerve parce qu'en fait, je sais pas si vous, c'est pareil, mais c'est rangé dans un bordel, on va dire. On va dire ça comme ça. Parce que en fait, les meubles sont tous pleins à craquer. Et en fait, on essaye genre de caler ça là, ça rentre là, ça rentre là. Mais au final, en fait, c'est du n'importe quoi. Il y en a partout. Tous les meubles sont pleins et ça va pas. Donc là, ce soir, je voulais au moins ranger ma salle à manger parce que j'en ai marre qu'elle soit en bordel. Là, en plus, c'est pareil. On a commencé à recevoir les colis. Je vais pas vous faire de dessin, mais voilà. Donc, il y en a partout. Bon, c'est pas très grave. Hein, c'est voilà. Vous allez me comprendre. Et mais en fait, je pense que ce que je vais faire, c'est organiser. Donc ça, je pense que vous allez voir un petit peu dans chaque vlog, mais je ne vais pas vous dire genre à partir de demain. Kimi, non! Je vais pas vous dire genre à partir de demain et tous les jours. Peut-être pas, hein. Peut-être ça va durer des mois avant que j'arrive à faire vraiment un très gros tri. Parce que bah, il faut que j'arrive à me, voilà, à me débarrasser, à me dire de garder le minimum vraiment, parce que j'en ai marre. Et que tout soit bien organisé, que les meubles ne sont pas pleins à craquer, que voilà, il y a le. Qu'on a ce qu'il faut, quoi, mais qu'on n'a pas besoin d'une tonne en fait, vous voyez. Donc je commencerai genre par un endroit, et le temps que j'aurai pas fini cet endroit-là, nickel. Et c'est pas possible. En fait, je ne ferai pas ailleurs, parce qu'à chaque fois, en fait, du coup, je me mets à ranger partout, et au final. Au final, bah en fait, j'en fous partout et après je range et ça redevient le bordel. Donc c'est pénible. Donc là, il va vraiment falloir que je fasse étape par étape
Et voilà. Là, en haut, du coup, j'ai un panier et un gros carton. Et je suis en train de mettre dedans. Donc, c'est sur le sèche-linge. Donc, ça, c'est pareil. Hein, par la suite, il faudra le virer. En attendant, je laisse là. Sinon, je mettrai même à la cave. Donc, sur mon sèche-linge, j'ai un gros carton et un panier. Et là, je suis en train de mettre au fur et à mesure tout ce que je prends en photo pour vendre à petit prix ou donner. Donc, voilà. Parce que, ben, toujours donner. Voilà, c'est bien parce que ça part un peu plus vite, c'est clair. Mais bon, il y a des choses qu'on vend 50 centimes ou 1 euro, ça part pas. Enfin, voilà, quoi. Des fois, c'est abusé, quoi. On peut pas toujours tout donner non plus. Hein. Puis, voilà. Hein. Si on se débarrasse, ben, ça nous permet, après, si on vend même des choses à 1 euro ou quoi, ben, ça nous permettra de racheter des choses qu'on a besoin. Ou, enfin, vous voyez. Voilà. Bref. Bref, tout ça pour vous dire ça, quoi, du coup, que j'ai rangé, mais le bordel dans du bordel, on va dire. Je vous jure. Mais bon, sinon, aujourd'hui, donc, voilà, le colis de Coco, il est fait, il part demain, je vais aller le déposer à la poste. Le colis d'Emeline, il est fait, il est parti. Je vous ai dit hier, j'ai fait un papier, voilà, qui était assez urgent, ça a été fait aussi. Bon, j'ai encore des choses à faire, mais voilà, on avance tout doucement. En même temps, si je reculerais, ça serait bizarre. Voilà, là je vais mettre le coussin d'Elsa parce que ce matin elle a fait pipi dessus, donc je l'ai lavé, là je vais aller le mettre à sécher, et j'ai un deuxième coussin à faire sécher, et je vais peut-être préparer juste une bâtée que je mettrai en route demain. Voilà, j'ai encore des serviettes à plier dans le sèche-linge, j'ai encore plein de choses à faire en fait, mais je vous dis, en fait il y en a trop partout. Bon, après on est beaucoup à la maison, donc forcément mais bon, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, mais en trop. Je sais pas c'est qui gratte. C'est Aya. Aya, tu viens ou pas? Tu viens? Voilà. Chacune leur tour. Un ma youyou. Ouais, c'est tout en fait, mais en trop. Genre des tasses, enfin des, genre par exemple des mugs, j'ai trié, j'en ai déjà donné beaucoup. Et au final, dans mon mug, genre, je dois en avoir 15 ou 20. Alors que j'en ai que 6. Et vraiment à utiliser les tasses, bah, pour boire le café, moi et Chouchou, on a toujours les mêmes. Moi, j'ai les 3 miennes que Camille m'a payé. Et Chouchou, de base, il a les 2 siennes toujours les mêmes, mais. Mienne, lui en a cassé une, donc il lui en reste qu'une. Mais bon, je veux dire, voilà. On utilise toujours les mêmes tasses au final. Et les enfants, quand ils en prennent une de temps en temps, ils prennent pas tous en même temps. Donc c'est un peu bête de garder autant de mugs en fait. Ouais, vous voyez, c'est un exemple en fait. Mais on garde tout entre nous, j'ai l'impression. Ouais. Donc il faut vraiment que j'arrive à faire du tri. Après c'est comme les chaussures, vous voyez, moi j'avais donné qu'une paire de chaussures, genre, mais j'en ai plusieurs quand même. Mais en fait elles sont quasi neuves. C'est soit des chaussures que j'ai récupérées à ma cousine, ou... donc elles sont quasi neuves, elles ont rien. Donc je me dis bon voilà, hein, en fait là je suis en train d'user à fond ceux que j'ai à mes pieds. Il commence à y avoir un trou et tout d'ailleurs. Donc dès que celles-ci elles seront vraiment craquées, c'est poubelle, et au moins je sais que j'ai des autres paires. Mais est-ce que vraiment je vais les mettre? C'est la question là que je dois me poser. Parce que du coup, en fait, je sais même pas. Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir des chaussures. Vous avez déjà vu, hein, je pense. Et vous voyez, des Nike ou des Air Max ou un truc comme ça, mais vraiment simple. Et je sais que même si je m'achète une paire d'Air Max, c'est rare. Parce que bon, pour monter 50 ou 80 balles, et moi, des fois, ça me fait chier, franchement, pour une paire de chaussures. Surtout pour moi. Mais voilà, si j'achète à ce prix-là. Je sais que mes chaussures, elles vont faire un minimum 2 ans. Et la dernière fois que je me suis acheté des Air Max, je crois qu'ils ont fait 3-4 ans. Donc bon, on va dire que c'est rentable. Même si ça fait 2 ans à 50 euros, c'est rentable quand même. Mais bon, ça c'est moi. Je m'achète pas de vêtements. Moi, la plupart des vêtements, c'est récupéré en don ou je récupère à Camille. Voilà. Et les chaussures, c'est pareil, quoi. Moi je m'achète pas de choses pour moi en fait. Voilà. Bon, nous sommes déjà le 14 décembre. Dans 10 jours, c'est le réveillon.
Il reste 10 jours de calendrier de l'Avent. Et dans 11 jours, du coup, c'est Noël. Et ouais. Ça passe. Ça passe trop vite, même. Mais bon. C'est comme ça, hein. C'est comme ça. Sinon, est-ce que j'avais autre chose à vous dire? J'allais vous parler de quelque chose, mais au final, non. Ça sert à rien d'en parler, donc j'en parlerai pas. C'est encore des commentaires, donc mais j'ai même pas envie d'en parler, en fait, parce que je m'en fous carrément, en fait. Donc, on passe à autre chose. Étape suivante. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Je vais aller mettre mon linge à sécher, puis je vais aller m'installer tranquillou. J'ai mon rideau là, du coup, je vais profiter pour le relaver un coup. Parce que comme je dessine sur mes carreaux, mon rideau il aurait été lavé. D'ailleurs, ça faudrait que je le change parce que j'aimais bien quand je l'ai acheté, mais en fait, au final, maintenant. Je dois aller en haut. Pourquoi? Pour fermer ma porte. J'ai peur que les détails soient dépassés. Non. Je dirais à Alex qu'il le ferme, d'accord? Mais en fait, au final, il me dégoûte de plus en plus le rideau. Il est moche. Maintenant, je le trouve moche. Avant, je le trouvais beau, maintenant, je le trouve moche. Il faudrait que je change. C'est parce que je veux pas trop blanc, parce que blanc, des fois, j'ai l'impression qu'on voit à travers. Mais bon, celui-là, de toute façon, s'il y a de la lumière chez moi, qu'est-ce qu'il y a? S'il y a de la lumière chez moi, celui-là, on voit à travers quand même. Tout à l'heure, Christophe, il s'est mis à chanter. Hyper fort. Mais elle disait, tu me casses les oreilles. Parce qu'en plus, il chantait, mais faux. S'il passe par là, il va dire, quoi? Donc, Mel demandait d'arrêter de chanter. Kimi, tu es chiante. Et Mademoiselle Kimi, comme elle est un peu en chaleur, du coup, elle chantait avec lui. Donc, les deux, chacun leur tour. Hein, tu chantais? Chante. Tu chantes? Non, tu chantais avec papa, toi. Ah, je vous jure. Voilà. Et les filles, ils ont dû refaire un tour dans ma douche parce qu'il y a plein de traces de pattes. Ouh, restez zen ici. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? On va aller faire dodo? On va aller faire des dodo, mon bébé? Oh, tu es belle. Oh, oui, tu es belle. Tu fais du câlin, maman. Tu suis un petit peu avec mon maillot. Bon, voilà. Pas tout à fait la même couleur, mais ça ressemble. Ça ressemble, ça ressemble. Voilà. Aujourd'hui, j'ai réussi à rattraper quand même 3 vidéos de bébé pulpeuse. Hier, j'ai regardé une vidéo de Véro. J'ai pas regardé que Véro hier, si. J'ai regardé que Véro hier. Bah, hier soir, j'ai regardé Véro, c'est sûr. Une vidéo de Véro. Et dans la journée, j'avais pas regardé de vidéo. Si, bah, j'avais regardé Tissio. Mais aujourd'hui, j'ai rattrapé 3 vidéos de bébé pulpeuse. Là, je vais essayer de regarder une ou deux vidéos avant de dormir. Comme ça. Mais bon, je suis très en retard. Hein. Pour vous dire que Bébé Pulpeuse, de base, c'est la première chaîne YouTube que je regarde, que je regardais tous les jours, comme je vous avais dit, au petit déjeuner. En fait, là, même au petit déjeuner, je regarde plus de vidéos. Et même Bébé Pulpeuse, je suis en retard d'un mois quasiment. Donc, j'ai une 30aine de vidéos à regarder. Bon, là, il doit m'en rester, 25, on va dire, en gros. Parce que les retours de course, moi, je regarde pas, j'aime pas. Mais... Il y en a beaucoup qui aiment les retours de course. Moi, j'aime pas trop les retours de course. Ça me saoule. Ça me dérange pas de vous les faire, mais regarder un retour de course, honnêtement, ça m'intéresse pas. Après, chacun son truc. Moi, je préfère regarder les vlogs. C'est, je trouve plus intéressant. Voilà. De suivre le quotidien des gens et tout. J'aime bien. Même quand les gens y parlent, tout ça, hein, j'aime bien. Mais c'est, je préfère les vlogs. Je préfère les vlogs que les, ouais, que les retours de course. C'est vraiment la chose que j'aime le moins, on va dire. Bon, les hauls, ça dépend. Il y a des hauls, ça m'intéresse, il n'y en a pas trop. Mais ouais, non. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment les vlogs, quoi. Il y a des fois, j'hésite même à m'abonner à certaines personnes parce que, il n'y a aucun vlog. Genre, ça va être que des hauls ou des retours de course. Et c'est dommage, la personne, bon, je la trouve. Elle a l'air d'être cool. Mais voilà, si c'est pas mon truc, donc. Bon, après, on peut soutenir la personne en s'abonnant, mais si c'est pour pas regarder, voilà, je vois pas trop l'intérêt non plus, quoi. Bon, après, ça me coûte rien. Donc, je veux dire, voilà. Si c'est une personne qui a pas beaucoup d'abonnés, ça me dérange pas de m'abonner pour lui faire plaisir, tout simplement. De toute façon, c'est gratuit de s'abonner. Il y en a, je pense qu'ils ont peur que ce soit payant, mais non, c'est gratuit.
Heureusement d'ailleurs. Parce que sinon, je pense pas qu'il y aurait beaucoup d'abonnements sur YouTube. J'ai réussi à trouver pourquoi ma vidéo anniversaire de Mel a été démonétisée. Bon, c'est pas grave, hein. Comme je vous ai déjà dit, moi, quand on fait des soirées, genre et que je vous filme, je laisse avec la musique, je m'en fous en fait. Même si c'est démonétisé, bah, c'est pas grave. Écoutez, au pire des cas, je vais perdre 4-5 euros, et puis c'est tout. Enfin, vous voyez. C'est un exemple, hein, parce qu'il y a des fois, ça peut être 2 euros, vous voyez. Parce que c'est les retours de course qui rapportent le plus. Mais je me demandais pourquoi est-ce que je dis j'ai pas filmé de musique, rien du tout. Ça peut pas être la musique quand même du Buffalo, les petits indiens, je pense pas. Mais du coup, bon, j'ai été voir dans les... c'est pas vraiment un signalement, mais... Ah, c'est pas un avertissement non plus, mais je veux dire, ils disent que c'est démonétisé à cause d'une musique et tout, et on peut cliquer pour aller voir. Et en fait, vous voyez les petits moments où je vous ai écrit genre préparation des gâteaux, la déco, cadeaux et... Ben voilà, et elle souffle ses bougies. Ben, je vous ai mis une toute petite musique à chaque fois, birthday, sur ces parties-là. Et ben, c'est à cause de ça, en fait, que ça a démonétisé. Alors qu'à chaque fois, ça dure 2 secondes. Donc, je comprends pas. Mais bon, du coup, ça a démonétisé la vidéo. Que voulez-vous? Tant pis. Hein. Tant pis. Hein. C'est pas dramatique. Ça me gratte. Bon, les amis, on va arrêter de papoter, parce que j'ai encore des trucs à faire. Mais je suis contente déjà d'avoir bien rangé ma salle à manger. J'ai pas fait de nouvelles tasses, j'en ai quand même fait 6. Demain, vu qu'on est vendredi, peut-être Dada il vient pour le week-end. Donc j'ai dit à sa mère que s'il venait, en fait, j'irai moi le chercher jusqu'à chez elle. Et comme ça, je lui déposerai déjà les premières tasses que j'ai fait, les 6 premières tasses, parce que... La personne pour qui elle a commandé, je crois que c'est une tante, elle veut les récupérer samedi. Après, c'est normal, parce que ben, c'est pour elle Noël, et puis en plus, elle me les avait déjà payés et tout, donc c'est logique. Donc, ouais, si c'est ça, je vais chercher Dada demain, et comme ça, je lui dépose déjà les 6 tasses-là. Demain, je vais même essayer de faire ces 2 tasses à elle qu'elle m'avait commandées. Et après, du coup, il m'en restera 4 à faire pour sa voisine, ou une amie, je sais pas trop, je sais plus. Bah là, je sais que j'ai encore 6 tasses pour la même personne, mais en fait, c'est 3 personnes différentes. C'est parce que c'est elle qui me prend toutes les commandes, sa mère à Dada. Après, j'ai les 2 à préparer pour Sylvie et Jean-Yves. Je ne vous oublie pas, promis. Je vais les faire. C'est parce que là, il me fallait vraiment mon papier cuisson. Et puis là, il fallait vraiment que je range. Quoi, mais demain, il faut que je fasse mes tasses. Et ensuite, normalement, Coco, c'est pareil. Elle doit me dire quoi pour elle ou pour sa copine, s'ils prennent des tasses aussi. Donc, voilà, je vais voir. Mais bon, le savon, il m'en reste quand même pas mal. Hein. Parce que là, j'en aurais fait... Bah, même si je fais... Demain, j'en ai encore... Enfin, demain. Je sais pas si je vais faire tout demain, mais... On va dire que j'en ai encore... Donc, ça fait que j'en aurais fait 14. Là. C'est un lot de 36. Donc, il m'en reste 22. Et il m'en restait... Moi, il m'en restait 2-3. Ouais. On va dire que là, il doit m'en rester 25. Donc, ça, bon. Instant. J'en ai une aussi à préparer pour la copine à Camille. D'ailleurs, il faut que je vois avec elle si c'est sûr qu'elle me la prend. Parce que si c'est ça, elle en a besoin avant vendredi prochain. Parce que c'est pour offrir à un prof. Puis après, ça dépendra de beaucoup. Bon, ça va. J'ai encore un stock quand même. Bah, après, tout le monde il me dit, franchement, tu les vends vraiment pas cher, 5 euros et tout, parce qu'il y en a, c'est 7, 8, 10 euros, pardon, c'est moi avec la baignoire. Mais en fait, c'est sûr que je gagne pas énormément du tout sur une tasse, hein, parce que ben, quand on calcule, ouais, je gagne vraiment pas grand chose hein, sur une tasse, clairement. Surtout quand, comme là, hier, j'ai raté 3 feuilles. 3 dessins qui ont été loupés, une tasse qui a été loupée, en fait, je suis pas forcément gagnante. Mais voilà, même si je gagne 50 centimes ou 1 euro, j'aime bien faire plaisir aux personnes. Et bon, c'est sûr, c'est du boulot, et après, c'est de l'électricité et tout, mais pff, je veux pas faire trop cher parce que... Bah, voilà. Peut-être que j'augmenterai, en fait, genre en début d'année. Bon, là, je laisse à 5 euros pour l'eau. Peut-être que j'augmenterai un petit peu en début d'année parce que, ben, c'est vrai que ça a bien calculé, quoi. Entre l'encre, les feuilles, les tasses, l'électricité, le temps que je passe dessus, peut-être que j'augmenterai à partir de janvier.
Il est là pour ceux et celles au cas où qui veulent une tasse. Elle reste à 5 euros jusqu'au 31 décembre, sûr. Voilà. Après, peut-être que oui, peut-être que je rajouterai 1 euro de plus parce que bon, c'est vrai qu'en fait, je sais même pas si je suis vraiment fort gagnante quoi, dessus. Je dois vraiment pas gagner grand-chose. Hein. Peut-être, ouais, je vais compter peut-être 1 euro, mais en fait, au final, avec l'électricité et le temps que je passe dessus, bon, c'est pas grave. Là, je fais plaisir à plusieurs personnes, mais je pense qu'en janvier, ouais, j'augmenterai les prix quand même. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais vous laisser. D'ailleurs, je vais aller voir sur Vinted parce que je sais qu'il y a une personne qui voulait le porte-clés M violet. Et en fait, de base, il était pour ma mère, mais comme elle a changé, du coup, je l'ai mis sur Vinted là tout à l'heure et elle le voulait, donc je lui ai dit. Donc, normalement, elle a dû le prendre. Donc, je vais regarder parce que si elle me l'a pris, ben, demain, je vais préparer le colis aussi pour lui envoyer. Voilà, voilà. Le porte-clés, pour l'instant, il n'y a plus personne qui est intéressé, mais bon, après, c'est pas grave non plus, mais voilà, j'ai pas envie de faire des nouveaux parce que j'en ai encore trop en fait. Là, j'ai encore un gros stock de porte-clés déjà fait, donc, mais ça, c'est pareil, je pense que quand je ferai un live sur Facebook de vente et tout, je les présenterai, je pense. Comme ça, bah, des fois en caméra, on voit mieux que sur une photo, vous voyez. C'est vrai, hein, des fois c'est mieux à voir, même en live, que en photo. Bon, j'arrête de parler, ça fait 22 minutes. Le vlog ne durait de base que 5 minutes, mais avec ma grande gamelle, il va durer une demi-heure. Mais c'est pas grave, il y en a beaucoup qui aiment bien. Après, ceux qui n'aiment pas, ils ne sont pas obligés de m'écouter. Je m'en fous. Bon allez, bon, je vous fais des gros bisous d'amour. Et puis, je vous dis pardon. À demain pour le prochain vlog. Bisous.